Le 10 octobre prochain, soit dans un mois, aura lieu à Austin, au Texas, la CitizenCon 2018. Il s'agit de la grand-messe de Chris Roberts, où une grande partie du staff travaillant sur Star Citizen et Squadron 42 sera là pour présenter en détail ce qui a été accompli l'année durant, mais aussi parler du futur, faire des jeux de questions-réponses, etc. C'est l'occasion pour le commun des mortels de les rencontrer, de parler avec eux, une convention quoi, je pense que je vous apprends rien sur leur fonctionnement. A noter qu'en France, à Paris, se déroulera aussi une convention 3 jours plus tard, le samedi 13 octobre, qui sera un peu le pendant français de la CitizenCon. Vous y retrouverez pas mal d'acteurs de la communauté francophone, des conférences et plein d'autres trucs, en attendant qu'une CitizenCon se déroule un jour en France. Si vous pouvez y aller, n'hésitez pas à prendre un billet. A titre perso, je n'y serai malheureusement pas pour des questions d'emploi du temps, parce que pour l'instant je n'ai absolument aucune idée de ce que je ferai à ce moment-là, mais aussi malheureusement pour des questions de santé à l'heure actuelle. Mais bref, pour en revenir à la CitizenCon, c'est l'occasion d'apprendre plein de choses sur le développement du jeu. Et la question maintenant, comme à chaque fois qu'il y a une convention de ce genre, c'est qu'est-ce qui va être présenté? Quelles surprises nous attendent? Ah ben, première surprise, à part l'ouverture, le stream sera payant à la diffusion. Ouais, c'était pas vraiment ce que j'escomptais comme surprise. Bon, alors, pour cette histoire de stream payant, le temps que je fasse le montage, ça a encore changé. Donc Chris Roberts a fait machine arrière et finalement tout le stream sera gratos pour tout le monde à partir du moment où vous avez un compte RSI. C'est pas mal, du coup ça permet vraiment à tout le monde de le regarder. C'est une bonne chose. Après, on risque de perdre en qualité, mais en final, moi je m'en fous un peu, hein, parce que bon, la qualité pas tip-top, ça fait aussi partie du charme de cette rencontre. Alors, je vais pas vous emmerder plus longtemps avec cette histoire, parce que tout le monde en a déjà parlé et finalement ça s'est résolu assez vite, mais si vous voulez vraiment mon avis sur le sujet, allez voir du côté de la vidéo d'Ayum, elle reflète assez bien ce que je pense de cette histoire. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il n'y a plus de paywall, tout le monde pourra le regarder, il y aura des rediffusions, et tout ça c'est cool. Du coup, aujourd'hui, je vais simplement vous parler de ce que j'attends à titre personnel de cette convention. Est-ce que tous mes espoirs seront comblés? Réponse le 10 octobre. D'abord, la présentation et la sortie de la 3.3. Parce que contrairement aux précédentes mises à jour, celle-ci se verra décalée jusqu'à la convention pour des questions pratiques, et ne sortira donc pas fin septembre. Et ça sera d'ailleurs le cas pour les années futures, le troisième trimestre sera un peu plus long et le quatrième un peu plus court. C'est simplement pour des raisons de praticité logistique, même si je vois pas trop en quoi faire une release et une convention en même temps, c'est simple, mais aussi pour avoir quelque chose à présenter. Parce que bon, effectivement, sortir la mise à jour 10 jours avant la convention, ça ne laisse que 10 jours pour pondre un truc cool et nouveau à présenter. C'est un poil short. Ou alors, il faut réduire la mise à jour artificiellement. Mais c'est pas terrible non plus. La mise à jour 3.3 sera donc plus que probablement à l'ordre du jour. Mais la question, c'est quelle partie? J'écris ces mots le 26 août et la roadmap, bien qu'elle ne reflète pas vraiment l'état du jeu ultra fidèlement, n'est pas vraiment très avancée. Les vacances sont passées par là. D'autant plus qu'on est sur une grosse, très grosse mise à jour. Cela étant dit, on verra certainement le gros morceau en jeu, c'est-à-dire la planète Hearthstone et ses lunes, Magda, Ita et Aberdeen, ainsi que la zone de Lorville et les premiers rest-stops, ces stations de ravitaillement stellaire dont on parle depuis un moment. Ça sera aussi l'occasion de voir des biomes différents des planètes un peu monochromes que nous avons actuellement, notamment avec beaucoup plus de végétation, même si celle-ci est déjà présente je crois sur certaines lunes. Truc un peu what the fuck d'ailleurs, étant donné que les lunes présentes ne sont pas franchement propices à la vie. Dans tous les cas, j'espère vraiment que ne ce seront pas des planètes et des lunes monobiomes. J'ai très hâte de fouler Hearthstone du pied et d'aller me détendre dans la savane. Côté gameplay, j'espère voir arriver les améliorations au système de mission prévu, ainsi qu'au minage et au scan, notamment la possibilité de miner sur les astéroïdes. En fait, une fois cette partie de finie, à part du polissage et ce qui concerne le traitement des matériaux extraits, le minage sera terminé à mon sens. Côté vaisseau, l'Hammerhead et le Phoenix seront certainement de la partie étant donné que ce sont de gros vaisseaux et qu'il faut du show. Par contre, pour le reste, c'est-à-dire l'arrivée des cyclones alternatifs et du rework des Mustangs, c'est un peu moins sûr, vu qu'il y en a beaucoup et que cela n'avance malheureusement pas des masses. Par contre, je pense qu'on aura au moins le droit au Mustang Alpha. Vu à quel point il est buggé en ce moment, je pense que CIG va se pencher dessus pour régler les problèmes au plus vite, étant donné le nombre de joueurs qui le possèdent comme moi.
Pour la technologie, on devrait voir enfin arriver l'Object Container Streaming, qui va servir par la suite de pierre angulaire pour les prochaines améliorations, notamment l'Arlésienne Network Binkening, dont ça fait 3 mises à jour qu'il est dit que cela devrait arriver la mise à jour d'après. La FOIP et la VOIP seront peut-être prêtes, mais c'est pas sûr. En tout cas, je pense qu'on aura le droit à une démo technique, même si ça ne sort pas. Enfin voilà, vous avez un petit résumé de ce qui est attendu durant cette mise à jour, et qui seront sans doute les principaux points de discussion du salon. Bien entendu, il y a encore plein de choses qui sont prévues, mais là je vous ai simplement parlé des plus importantes et des plus susceptibles d'être présentées en détail. Mais dans tous les cas, plus il y en a, mieux ce sera, évidemment. Peut-être même qu'on aura le droit à une petite surprise. J'espère vraiment voir arriver la possibilité de louer avec des crédits en jeu des vaisseaux. Voir le premier système de location sur le PU, ça serait le pied, vraiment. Et ça permettrait de patienter. Par exemple, ceux ayant acheté un Reclaimer en 3.1, en pensant faire de la récup en 3.2, 3.3, ils se sont sans doute sentis un peu floués, étant donné que pour l'instant, la récupération c'est à 3.5. Après, l'arrivée de la location peut aussi être assez controversée, vu que cela risque de réduire les ventes de vaisseaux. Mais en même temps, cela permet de les essayer hors PTU, donc c'est pas vraiment une mauvaise chose pour les ventes. Petite précision, l'arrivée de la location a plus ou moins été confirmée dans un ATV et dans un poste faisant état que le système était en route. Mais vu que pour l'instant, il n'est pas dans la roadmap, wait and see comme on dit, on n'est pas à l'abri d'une fausse joie. Je préfère préciser, je parle ici de la location sur le Persistent Universe, pas sur l'Arena Commander ni Star Marine, c'est différent. Le truc intéressant dans les rencontres annuelles, c'est de pouvoir montrer ce qui a été fait au cours de l'année, et comment ça a été fait. Certes, c'est déjà le cas tout au long de l'année pour Star Citizen, au travers des Around the Verse, Reverse the Verse et des Calling All Dev. Mais c'est aussi l'occasion de revenir sur des détails plus précis qui n'ont pas été abordés dans le développement. Développer des points d'intérêt, ce qui a été fait ou pas, et pourquoi. L'avantage pour moi de cette rencontre annuelle, c'est qu'elle permet déjà de discuter plus finement avec les spectateurs, planifier des présentations notamment sur les technologies utilisées et les tests internes, mais aussi de permettre de prendre un peu de recul sur l'année écoulée. Les émissions hebdomadaires sont bien pour pouvoir parler de plein de choses, mais une rencontre annuelle permet un recul, une vision d'ensemble. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de voir au travers des différentes conférences qui auront lieu. Quel a été le processus qui a donné vie au minage tel que nous l'avons aujourd'hui? Comment cela a-t-il été testé? Qu'est-ce qui a été abandonné? Et pourquoi? Cela vaut aussi pour les parties techniques. Certes, cela touchera moins de monde, mais je suis vraiment curieux de savoir comment on implémente un système comme l'OCS ou le Network Binkening. Quels sont les algorithmes utilisés derrière la génération procédurale des planètes ou des restops? Pas forcément des visuels, même si ça fait toujours plaisir de pouvoir mettre des images sur ce qui est décrit, mais que l'on rentre un peu dans les entrailles du jeu pour quelques conférences. Cela pourrait être purement technique, donc des questions de code, mais aussi des questions de game design un peu pointues. J'aimerais aussi voir des benchmarks internes, ou des stats sur les retours des stress tests lors des PTU, ou comment réagissent ces serveurs lors de lourdes connexions comme par exemple lors des mises à jour. Bref, des présentations plus en détail des aspects techniques, même si je sais que je suis absolument minoritaire. Le troisième aspect que j'aimerais voir développé serait à propos du futur du jeu. 2018 est une année charnière pour son développement, et 2019 le sera tout autant. Maintenant que plus de la moitié de l'année est passée, il est temps de faire le point, mais aussi de présenter plus en détail ce qui va arriver par la suite. Ça serait par exemple le bon moment pour parler du système de récupération, qui semble être passé progressivement de prioritaire à on ne sait plus trop quoi en faire. Je suppose qu'il est déjà dans les tuyaux, donc peut-être des explications sur comment va se dérouler une opération de récupération, quel vaisseau sera opérationnel avec cette techno en premier. Genre le Vulture va peut-être passer rapido dans le pipeline des vaisseaux, vu qu'il est plus petit, il serait peut-être plus simple à utiliser qu'un Reclaimer pour créer la techno associée. Ça peut être aussi le bon moment pour faire des bonnes grosses présentations de nouveaux vaisseaux. Bon, on en a eu un récemment avec le Mercury, mais pourquoi pas parler de vaisseaux déjà en cours de prod, comme l'Orion? Le minage est quasi fini et ça fait un petit moment qu'on n'en a plus entendu parler de ce gros vaisseau de minage. J'aimerais aussi qu'il soit abordé l'après Stanton, parce que mine de rien, on va bientôt voir la fin du premier système terminé cette année. Enfin, normalement. Stanton a été choisi pour pouvoir développer les technologies planétaires parce que le système couvre un large type de planètes et de villes différentes. Et d'ici la fin de l'année, nous devrions normalement voir arriver Arc Corp et ses lunes,
et ça serait donc la fin de la création du système. Enfin, presque. Il reste évidemment les coups de polissage à passer, mais aussi la planète Microtech dont on n'entend presque pas parler et je ne sais pas pourquoi. Et Crusader qui mine de rien pourra être explorable quand la techno des géantes gazeuses sera finie. Et en fait, je me rends compte que c'est encore loin d'être terminé cette histoire. Mais ce que je veux dire, c'est que les planètes telluriques, assez classiques, une fois l'année terminée, ils sauront les faire. Donc pourquoi pas commencer à attaquer d'autres systèmes, en attendant que les ingés finissent les technologies nécessaires pour les dernières planètes. Et enfin, j'y reviens, mais je n'en démords pas, j'attends aussi des nouvelles du système de location si celui-ci n'arrive pas en 3.3. Et pour finir, il y aura à mon avis une présentation de l'avancée de Squadron 42. Le truc, c'est que c'est une campagne solo, ça serait con de spoiler comme ça le jeu à force de présentation. Et plus le temps passe, plus le jeu avance et plus il se rapproche de sa sortie. La question maintenant, c'est est-ce qu'on est trop proche de la sortie pour qu'il puisse nous dévoiler autre chose qu'un trailer, ou pas? L'année dernière, on a eu le droit à une tranche de gameplay de 2 heures qui faisait bien baver. Cette année, je pense que ce qu'on aura en dira long sur l'avancée du projet. Si on a quasi rien, c'est que le projet est trop avancé pour montrer plus, mais en même temps pas assez pour montrer un trailer qui hyperait trop les joueurs. S'il y a un trailer, c'est qu'on se rapproche pas mal de la date de sortie puisqu'ils peuvent en montrer, mais pas trop quand même. Si on a encore une tranche de gameplay de 2 heures, c'est qu'on est encore loin de la sortie, mais cela veut aussi dire qu'ils sont assez confiants dans la durée de vie de leur jeu pour pouvoir en montrer 4 heures au calme sans craindre les spoils. Dans tous les cas, on est gagnant à avoir des nouvelles sur le projet. Bref, la hype monte, reste à savoir ce qui vont nous servir. Enfin bref, vous l'aurez peut-être compris, je suis assez impatient de voir ce que CIG nous a préparé pour cette année. Et vu ce qui est arrivé en jeu depuis la dernière CitizenCon et qui arrivera avant la prochaine, il y a matière à dire des trucs sympas. Encore faut-il qu'il n'y ait pas trop de paywall devant les streams. Et voilà, je vais vous laisser là pour cette semaine. Je vous retrouverai normalement si tout se passe bien la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, même si c'est pas sûr à 100% étant donné que je vais déménager durant ce laps de temps pour retourner finir mes études. Dans tous les cas, je vous invite à me dire ce que vous aussi vous attendez de la CitizenCon, à aller à la Paris-Vert si vous pouvez vous le permettre, et à me soutenir sur Utip si vous en avez envie. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien !